La viande, ça déchire tout, et on peut pas l'abandonner comme ça. Les steaks hachés cheval sont si précieux que nous les emballons dans un véritable écrin blanc. Dans le cochon, tout est bon. Bien manger, c'est avec de la viande. Enchanté. Ah, je déconne. Bonjour, je m'appelle Lee et j'habite dans le royaume de Belgique. Il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est l'adoration pour la viande. Mais je sais ce que tu penses, Paul. Bah Lee, manger de la viande, c'est bon pour la santé, t'en as besoin. Non. Selon une étude, les végétariens ont un indice de masse corporelle, une tension artérielle et une concentration de cholestérol plus basse que ceux qui mangent de la viande. Ok. Ça a comme résultat que ceux qui ne consomment pas de viande ont 32% moins de risque de souffrir d'un problème cardiaque. Ah oh. 42, 43, 44. Et voilà, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter la viande. Je suis là pour vous dire que les arguments qu'on entend le plus souvent pour défendre l'intérêt de la viande, bah c'est des conneries. Bah, pourquoi c'est des conneries? Haha, I'm glad you fucking ask! La viande est protégée par trois idées reçues. Attends, ce que je fais là, ce serait pas une forme d'appropriation intellectuelle et artistique envers une certaine personne? Nah, je déconne, je m'en bats les couilles. Numéro 1, les humains sont faits pour manger de la viande. Faux! Ouais, c'est marrant de faire ça. T'es con. À l'origine, on a les Australopithèques qui en réalité ne mangeaient que très peu de quantité animale. En analysant les fossiles, on a pu remarquer qu'ils avaient même plutôt une dentition de ceux qui broutent de l'herbe. Mais alors, on est quoi? Nous sommes devenus un omnivore comportemental. On peut manger des fruits, des légumes, de la viande, des graines et encore plein de bonnes choses. Et des tas de bonnes choses. À la base opportuniste, les omnivores se nourrissent de ce qu'ils peuvent pour leur survie. Mais mis à part pour les zones de famine, on est quand même loin, très loin de la question de survie là. Alors il est où exactement le problème? Ah! Le problème... Oh putain, mon fond vert! Il va coûter cher ce truc quand même. Ah ok. Le problème, c'est que le confort d'aujourd'hui a fait perdre toute notion de bon sens vis-à-vis de la viande. Putain, c'est lourd. Manger de la viande, c'est du luxe. C'est quelque chose qu'on pouvait s'offrir de temps à autre. Mais depuis des dizaines d'années, c'est clairement plus le cas. La viande s'est tellement démocratisée que le luxe d'autrefois est devenu la norme d'aujourd'hui. Ah ! Numéro 2, un repas équilibré, c'est avec de la viande. Si on a l'audace de dire qu'on ne mange pas de viande, il est inévitable d'entendre ce fameux « T'auras des carences en protéines, vitamine B12 et tout !» Mais enfin, Karen, tu parles comme si soudainement t'avais reçu un doctorat en nutrition. C'est étonnant, non ? Biologiquement, pour notre bon fonctionnement, on a besoin de nutriments. Et ces trois grandes familles de nutriments, vous les connaissez. Les lipides, les glucides et les protéines. Ce que donne principalement la viande, ce sont des protéines, responsables de réparer nos cellules. Même si la viande est en général plus riche en protéines que le reste, ça ne veut pas dire que les autres aliments sont vides. Les graines telles que les cacahuètes, les amandes, les pistaches, les légumineuses et leurs dérivés comme les haricots, les pois chiches et les lentilles sont également très riches en protéines et sont même plus intéressants sur le plan nutritionnel. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Académie de Nutrition et de Diététique affirme qu'une alimentation végétarienne et toutes ces évolutions, comme les Pokémon, sont saines, nutritionnellement adéquates et fournissent même des avantages dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Donc un repas équilibré, c'est même plutôt sans viande. Pikachu, attaque éclair! Oh, oh putain! Ouf. Numéro 3, les enfants préfèrent la viande aux légumes. Et je te vois venir à des kilomètres, toi! C'est une question de goût, tu peux pas juger le jour là-dessus? Eh bah si, mon pote, parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ouais, c'est pas faux. En 2014, la ville de Lille a introduit un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Ça a eu tellement de succès auprès des enfants qu'ils sont passés à 2 menus végétariens par semaine. La vérité, c'est que les enfants aiment ce qui est bon. Et même tout le monde en fait. Ouais, c'est profond, je sais. Les gens aiment ce qui est bon. Gandhi. Et si je vous cuis un burger à l'eau, je doute que vous allez apprécier. Si on utilisait autant d'efforts pour cuisiner les légumes et les fruits que les viandes, il n'y aurait pas une culture si pauvre des aliments. Quoi? T'as faim? Il y a de grandes chances que les gens qui disent ne pas aimer les légumes n'ont jamais cuisiné ou goûté du chou romanesco, du panais, du daikon ou du topinambour. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et c'est pas par faute de disponibilité, il y en a sur les marchés ou dans les surfaces de grande distribution comme Carrefour. Enfin, je vais rajouter un quatrième point qui n'est pas une idée reçue, mais peut-être pire. J'aime le porc et le bœuf. Une phrase qu'on entend pour parler de nos préférences alimentaires et qui est bien pratique car ça permet de déculpabiliser totalement puisque derrière ça reste quand même un animal à qui on a enlevé la vie.
Aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie envers quelqu'un. Ça peut être aussi utilisé pour désigner une activité, comme aimer voir mes vidéos. Si, si. Ça, c'est vrai, ça. Et voilà, quand je dis que j'aime les animaux, je commence pas à allumer le feu pour commencer à les cuire. Je doute que les gens qui disent aimer le porc ou le bœuf aient apporté quoi que ce soit de positif à l'animal. La formulation plus correcte serait « j'aime le goût de la viande ». Et ça, il n'y a aucune honte à avoir. Ah bon ? On a quasiment tous grandi en mangeant de la viande. Et il n'y a absolument aucun mal à trouver ça délicieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de recettes végétariennes avec comme inspiration la viande. Pensez aux ribs de barbecue vegan, aux burgers végétariens et aux boulettes veggie. C'est parce qu'ils souhaitent retrouver le goût qu'ils adorent tant sans participer à la consommation d'animaux. Mon message, ce n'est pas d'arrêter de manger de la viande, c'est de briser cette image glamour autour de celle-ci. La consommation mondiale de viande est de 67 millions de tonnes en 1957 contre 323 en 2017, soit 5 fois plus en l'espace de 60 ans. Je tiens à préciser que la population mondiale n'a pas fait x5 en 60 ans. Non, c'est hors. Et c'est là qu'est mon réel message. Nous en consommons beaucoup, beaucoup trop. Coupable ! En ne comprenant pas la volaille, un Français consomme en moyenne 230 grammes de viande par jour. Or, la recommandation est de 70 grammes par jour, soit 3 fois plus que le recommandé. Possible. Mais manger la viande, c'est ancré culturellement. Il suffit de voir les recettes. Quand elle est présente, la star de l'assiette, c'est la viande. Alors quand on essaie de remplacer la viande par une alternative végétarienne, on comprend que ça en fera certains. En plus de tout ça, il y a la question de l'écologie, où l'industrie de la viande est un gouffre de ressources effroyables, ou encore la question morale, parce qu'on rappelle que ça reste des êtres vivants dotés de capacités émotives. Mais parler de ça mériterait une autre vidéo, tellement il y a la matière à dire. Pour ceux qui veulent changer les choses, il n'est pas nécessaire de changer du jour au lendemain. Une simple diminution suffit dans un premier temps. Se mettre un challenge où vous cuisinez un plat végétarien par semaine est par exemple un excellent moyen de découvrir de nouvelles saveurs. Et si jamais c'est encore trop d'efforts et que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et faire quand même une différence. Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Charles Kettering. Enchanté. Hey, j'ai mangé ta dernière glace, c'est une parnade, hein. Hey, qu'est-ce que tu fais ?